Concevoir et mettre en place un plan de collecte de fonds efficace pour votre lieu historique. Fixer des objectifs SMART et choisir des bonnes stratégies. Il s'agit du deuxième d'une série de trois webinaires visant à vous aider à atteindre vos objectifs lorsque vous concevez et mettez en place un plan de collecte de fonds. Ce webinaire fait partie de la série d'activités d'apprentissage Régénération partiellement financée par le gouvernement du Canada. De nos jours, les donateurs disposent d'un large inventaire d'organismes de bienfaisance qu'ils peuvent choisir de soutenir. Dans le secteur du patrimoine, nous sommes en concurrence avec différentes organisations du monde de l'éducation, avec les hôpitaux et avec toute une série de services sociaux. Souvent, nous nous heurtons à des organismes de bienfaisance ayant pignon sur rue, disposant de programmes de collecte de fonds et bien établis et largement dotés en personnel. Il peut parfois s'avérer décourageant d'entrer en concurrence avec eux pour tenter d'obtenir les faveurs des donateurs. Toutefois, sous réserve que nous adoptions les bonnes stratégies et que nous utilisons efficacement les ressources à notre disposition, nous pouvons, dans le secteur du patrimoine, nous montrer compétitifs et poser les jalons du succès. C'est bien de cela qu'il s'agit lorsque l'on met en place un plan de collecte de fonds. Au cours de ce webinaire, nous évoquerons ce que sont les objectifs SMART et nous analyserons en détail les choix de stratégie exploitant au mieux les atouts de votre organisation. Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter rapidement la Fiducie nationale du Canada. Nous sommes le seul organisme de bienfaisance nationale au Canada ayant pour mission d'orienter et d'inspirer la population canadienne en matière de sauvegarde et de renouvellement des lieux importants du pays. Pour en savoir plus sur nos programmes, veuillez visiter fiducienationalcanada.ca. Si vous n'avez pas de but, si vous ne savez pas vers où vous vous dirigez, comment allez-vous déterminer si, oui ou non, vous y êtes arrivé? La première étape de la construction d'un plan de collecte de fonds réussi consiste à déterminer les objectifs à atteindre. Dans ce cadre, il vous incombera conjointement avec votre directeur général, si vous avez du personnel rémunéré dans votre organisation, et avec votre conseil d'administration de fixer ces objectifs. Les professionnels de la collecte de fonds utilisent le concept d'objectif SMART, un moyen facile à mémoriser pour décrire les critères que doivent respecter les objectifs fixés. Tout d'abord, vos objectifs devront être spécifiques pour S et mesurables pour M. Voici quelques exemples d'objectifs mesurables. Nous voulons recueillir 25 milliards pour notre projet d'éventissement. Nous voulons atteindre 100 nouveaux donateurs pour notre nouveau programme de collecte de fonds. Nous voulons recruter 10 nouveaux bénévoles qui contribueront à nos initiatives de collecte de fonds. Une fois que vous avez défini vos objectifs, vous devrez pouvoir suivre les progrès accomplis et adapter vos stratégies en conséquence. Ensuite, vos objectifs doivent être atteignables pour A. Rien n'est plus décourageant que voir quelqu'un vous fixer d'objectifs déconnectés de la réalité. Dans ce cadre, vous devez collaborer avec votre directeur général et votre conseil d'administration. Combien avez-vous collecté de fonds de l'année dernière? Si vous planifiez une campagne, est-ce que ce sera la première ou il y a-t-il déjà eu d'autres avant? Dans ce dernier cas, comment ont-elles fonctionné? Il est parfaitement légitime de viser une augmentation des montants de collecte grâce à la planification. Si vous faites les choses correctement en faisant émerger une culture de la philanthropie au sein de votre organisation et en convertissant vos donateurs en fidèles sympathisants, alors vous pourrez légitimement vous attendre à récolter plus d'argent.
Donc, vos objectifs devront être à la fois ambitieux et atteignables. Ils devront se situer dans la zone étroite qui sépare un objectif ambitieux d'un objectif atteignable. Je crois que c'est à ce point d'équilibre que se trouve votre zone de frappe idéale. Demandez-vous si ensuite si vos objectifs sont réalistes pour Al par rapport à votre organisation et à ses besoins. En quoi l'atteinte de vos objectifs vous aidera-t-elle à mener à bien à la mission ou le plan stratégique de votre organisation patrimoniale? C'est bien bon de vouloir amasser $1 million, mais au-delà de la question de la feasibilité, il faudra vous poser celle de la raison pour laquelle votre organisation a besoin de cet argent et de la façon dont elle l'utilisera. Enfin, votre plan devra être temporairement défini pour T. En d'autres termes, il devra avoir une date de début et une date de fin. S'il s'agit d'une campagne de sociofinancement, sa durée devra se compter en semaines. S'il s'agit d'une campagne propre à un projet donné, il pourra s'agir de mois, voire d'une ou plusieurs années. Enfin, s'il s'agit du plan de collecte de fonds de votre organisation, on parlera en général de plusieurs années pour qu'il puisse s'interagir de façon synergique avec son plan stratégique. Ce qui est sûr, c'est sans un calendrier précis permettant de maintenir l'équipe parfaitement concentrée sur les objectifs et d'éviter que le projet ne déraille, votre plan aura toutes les chances de rester lettre morte. Dans le premier webinaire de cette série, nous avons évoqué la nécessité d'opérer une évaluation réaliste de ressources et d'outils dont vous disposez pour mettre en œuvre un plan de collecte de fonds efficace. Dans le cadre de ce deuxième volet de la série, nous analyserons la nécessaire adéquation entre ces ressources et les stratégies qui vous permettront d'exploiter au mieux vos atouts. Nous examinerons quelques stratégies en mettant en évidence les ressources requises pour qu'elles puissent fonctionner dans votre cas. Pour les dons majeurs, vous aurez besoin de personnes dans votre organisation disposant d'un excellent tissu relationnel et ayant accès à différents réseaux communautaires. Vous aurez besoin de matériel convaincant expliquant aux donateurs pourquoi ils devraient participer au financement de votre lieu historique et d'une stratégie expliquant la façon dont leurs dons seront reconnus. En outre, vous aurez besoin de temps, beaucoup de temps. Une sollicitation pour un don majeur doit être bien pensée, adaptée au donateur et n'être mise en œuvre qu'après un long processus au cours duquel vous établirez des liens solides entre votre organisation ou votre projet et le donateur ciblé. Les appels par lettre restent l'un des moyens les plus efficaces de recueillir des fonds auprès de votre base de donateurs existants et d'en atteindre de nouveaux. En sollicitant votre base existante, vous obtiendrez de meilleurs résultats qu'en effectuant un appel à partir d'une liste de donateurs potentiels avec lesquels vous n'êtes pas encore en relation. Toutefois, seul ce type de liste sera en mesure de vous apporter de nouveaux contributeurs. Il faut toutefois noter, comme point négatif, que le coût d'un appel par lettre est élevé. Il faut en effet tenir compte l'affranchissement de l'impression et de la production. Vous aurez besoin d'une liste de diffusion bien fournie, de documents convaincants et, idéalement, des bénévoles prêts à faire un suivi téléphonique. Les appels électroniques sont beaucoup moins coûteux. Ils vous permettront, en outre, d'exploiter les matériels plus attrayants sur le plan visuel et vous donneront l'avantage de la spontanéité. Toutefois, les taux de réponse et le montant moyen des dons sont inférieurs pour les appels électroniques par rapport aux appels par courrier. Il vous faudra déterminer si vos donateurs potentiels sont ouverts à la possibilité d'effectuer des dons en ligne et vérifier que vous
disposez des outils et des ressources pour mener à bien une telle campagne, par exemple les outils nécessaires à l'émission de reçus électroniques et à l'envoi des messages automatiques de remerciement. S'il n'entre pas dans votre projet de créer des formulaires en ligne personnalisés, vous pourrez toujours utiliser des plateformes existantes comme Canada Gives. Veuillez noter que dans ce cas, les transactions vous seront facturées pour un montant réduit. Les manifestations et les activités spéciales constituent un excellent moyen pour votre organisation de recueillir des fonds et de sensibiliser le public. Il faut toutefois noter qu'il s'agit d'une stratégie de type « tout le monde sur le pont », en mesure de faire subir une grosse pression au personnel et aux bénévoles de l'organisation. Par ailleurs, les coûts et les risques sont élevés. Pour organiser une manifestation ou une activité spéciale, il vous faudra un thème créatif, une bonne base de bénévoles et des gens disposant d'un solide réseau relationnel au sein du milieu économique local prêt à solliciter des commandites et des cadeaux en nature. On peut voir ici Affaire de whisky, une manifestation annuelle organisée par le musée Diefenbunker, un lieu historique près d'Ottawa, pour bâtir sa base de commanditaires. Le lieu était très petit, la principale source de revenus du musée provient des commandites. L'organisation s'efforce donc de bâtir une base de commanditaires et mesure de financer ses expositions et ses programmes, cette manifestation particulière constituant un excellent moyen de présenter à de nouveaux commanditaires les possibilités offertes par l'établissement. Le financement de part à part, par exemple dans le cadre des marches ou des courses communautaires ou d'un mouvement comme Movember, vous aidera à atteindre de nouveaux publics, vous permettra de sensibiliser d'un grand nombre de personnes et donnera à d'autres des moyens de collecter des fonds pour vous. Si vous êtes en mesure de recevoir des dons en ligne, si vous pouvez compter des groupes locaux pour vous soutenir et disposer des capacités de former et de gérer des bénévoles pour collecter des fonds, ce type de méthode peut fonctionner pour vous. Le sociofinancement est un excellent moyen d'élargir votre réseau sur les médias sociaux, d'atteindre de nouveaux publics et de générer l'enthousiasme autour de votre projet patrimonial et d'améliorer votre visibilité. Mais trop souvent, les organisations ne réalisent pas la quantité de travail qu'il faut investir pour mettre sur pied une campagne de sociofinancement réussie. Il ne s'agit pas seulement de publier votre projet sur le web et attendre tranquillement que l'argent arrive. Une telle demande doit s'appuyer sur la base de bénévoles dévoués, habitués à la gestion des médias sociaux, prêts à travailler pendant une longue période pour que la campagne conserve son élan tout de long. Si vous voulez désespérer d'exemples réussis de campagnes de sociofinancement en cours déjà achevées, consultez le site Celia Import, qui abrite les concours de sociofinancement de la Fédération nationale du Canada. Vous y trouverez nombreux projets patrimoniaux que vous pourriez étudier à loisir. Nous vous remercierons de vous être connectés à notre webinaire. Nous espérons que nous vous avons amené à réfléchir à la détermination d'objectifs SMART pour votre plan collecte de fonds, ainsi qu'au choix des stratégies s'inscrivant harmonieusement dans le cadre des ressources de capacité dont vous disposez. Merci et bonne journée.